Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petites Voitures. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de mes achats effectués il y a quelques temps. Alors, dans un premier temps, c'est juste pour vous annoncer que qu'il y a du lourd, du très lourd. Enfin, pas du très très lourd, mais il y a du lourd. On va commencer par un lot qui appartient à Christian, sur lequel je te remercie, qui m'a envoyé ce lot de 7 Nord-F 3 inch. De toute façon, il n'y a que du Nord-F 3 inch dans cette vidéo. Alors, on va commencer par petit à petit avec la fameuse Clio, la Renault Clio de 2005 avec cette teinte. Cette teinte avec une jolie topographie, il devrait avoir même une jolie petite décoration. Qui a été commercialisée avec en boîte constructeur. On poursuit avec. Ouais, on poursuit avec une Renault Espace Duracell. Bon, malheureusement, elle est un petit peu abîmée. Si vous m'entendez avec une voix grave, c'est juste parce que j'ai un petit peu la gorge prise. Mais sinon, c'est pas grave. Et le petit problème, regardez, juste ici. Voilà, vous le voyez pas trop bien. C'est juste parce qu'une partie de la vitre qui est pétée à l'arrière. Et que l'état, bon... Ouais, on va dire que ça passe. Parce que moi, je possède la Espace en ambulance. Bref, on poursuit avec une Renault Twingo. Avec une phase avant différente. Châssis métal, bien entendu. Attendez. Voilà. On poursuit avec... un Peugeot 206 verte. Alors, ce modèle de 206 que je recherchais pour ma collection. Parce que je possède deux 206 WRC, dont une en rouge et une en grise, avec le numéro 16 à l'intérieur. Bon, malheureusement, il me manque un optique de phare. Mais bon, je préfère m'en contenter. Bon, avec le soleil aussi. Tiens. On poursuit avec... une Renault Twingo, et alors, il y a une question que je me pose, est-ce qu'elle est courante? Est-ce que cette version est courante? J'ai un doute. Mais avec une jolie décoration de Noël, et cette version-là était uniquement dans un calendrier de l'Avent, de l'époque de chez Renault Toys. Enfin, chez Renault, quoi. Avec l'enseigne ici. Et à ce propos-là, le moule, ce même moule de la Twingo 33 inch, sera de retour dans les prochains mois, en châssis plastique, donc en couleur colorie rouge. J'espère que ça vous fait plaisir. Ou pas. Allez, on poursuit, mais on finit maintenant avec le lot avec les deux Citroën C6, donc une en grise. Mais franchement, regardez la voiture. Avec le châssis métal qui fait plaisir. Suivi du même modèle normal avec le coloris marron. Et qui existe en grise, non pas du tout, je l'ai déjà, qui existe en beige et en rouge. Sauf que il y a une seule teinte de la C6 qui a été uniquement disponible en tube de la gamme Nord-Œuvre de 2005 à 2007. Et c'est celle-ci. Qui a été disponible avec la Clio rouge que je vous ai fait montrer avec la Clio rose et la 407 coupée en bleu que je possède également en boîte, la C6 et la fameuse Peugeot 207 en verte. Voilà. Maintenant, on poursuit les achats effectués sur internet. Ah oui, je préfère vous dire que je ne donnerai pas de réponse dédiée au site que j'ai pu commander les miniatures. Pourquoi? Car tous les sites, que ce soit eBay, que ce soit Vinted ou que ce soit Le Bon Coin, on les connaît toutes et tous. Donc voilà pourquoi je ne divulguerai pas de site où j'ai pu commander dernièrement mes miniatures. Alors on poursuit avec une publicitaire dont la fameuse Fiat 500C de chez Rodi. Bon, malheureusement, c'est dommage car en boîte ça aurait été pas mal, ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon, je me contente plutôt de la version en loose, en sans boîte quoi. Bon, c'est juste une déco. La déco est simple, hein, c'est juste la couleur en noir et la topographie redit sur les côtés. Voilà.
Mais sinon, il est en très très bon état. Et pour finir cette vidéo, on finit avec une voiture que je recherchais depuis plus de 5 ans dans ma collection. Pareil, c'est une publicitaire, et pareil, je ne l'ai pas en boîte, mais bon, ça en valait la peine, car il s'agit de la fameuse Audi A8, un modèle que je recherchais depuis plus de 5 ans, comme je viens de vous le répéter, comme par hasard. Mais la particularité sur celle-ci, c'est qu'elle a été annoncée dans plusieurs catalogues version civile. Sauf que Audi, en fait, ils ont dit non. Mais heureusement que par chance, comme l'Olympique Lyonnais avait un partenariat à côté avec Audi à l'époque, donc par moment, ils ont fait des petites voitures après, que ce soit l'Audi A4 câble en châssis plastique, que je possède bien entendu, l'Audi A8 que je possède maintenant, avec ce châssis-là, et il me manque la Formule 1. Ça serait bien de la trouver en boîte, en l'occurrence. Regardez-moi cette beauté. Et regardez la particularité de cette Noreuve. Eh oui, elle a des portes ouvrantes. Je vais quand même vous montrer ça. Visuellement, quand je la regarde, j'ai l'impression qu'il s'agirait d'une Audi A8L. Si vraiment vous regardez bien. Moi, j'essaie de la regarder, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une Audi A8L. Faites votre avis dans les commentaires si vous la possédez. Bon, on va pas rester 300 ans là-dessus. Mais franchement, la voir comme ça... Franchement, bon, je ne donnerai pas le prix non plus, hein. Mais quand je l'ai vu sur Internet, alors là... Je n'ai pas hésité une seule seconde, je l'ai acheté tout de suite. Et merci à toi, Adonis, de me l'avoir prévenu pour cette voiture. Bon, bah écoutez... Franchement, c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes présentations vous ont fait plaisir et vous auront plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, la liker et la partager. Et moi, sur ce, je vous dis à très très bientôt pour peut-être des prochaines vidéos, on ne sait jamais. Et moi, je vous dis, ciao!